jubiler et crier de joie. Tout d'abord parce que nous avons été créés par Dieu, et surtout parce qu'il nous aime infiniment, parce que nous sommes précieux pour lui, nous sommes importants à son cœur. Et si nous en doutons encore, il nous faut relire la magnifique déclaration, la magnifique lettre d'amour que Dieu nous adresse dans la première lecture. En toi, il aura sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son âme. Il dansera pour toi avec des cris de joie. Nous ne sommes pas habitués à de telles expressions. Ce n'est vraiment pas banal. Dieu danse pour nous. Or, frères et sœurs, avec qui préfère-t-on danser? Avec celle qu'on aime, évidemment. Voilà l'extraordinaire bonne nouvelle de ce dimanche. Jérusalem, et avec elle toute l'humanité, donc chaque personne, chacun de nous, est la bien-aimée de Dieu. Mais peut-être que cela ne nous suffit pas. Eh bien, à Dieu non plus, cela n'a pas suffi de nous créer, de nous donner la vie. Puisque l'homme a refusé cet amour, s'est détourné de lui, a préféré se débrouiller par lui-même, Dieu veut trouver un autre moyen de le rejoindre, de lui faire goûter son intimité. Il veut le sauver. C'est la rédemption. Voilà le second motif de notre joie, déjà annoncé par le prophète Sophonie. Le roi d'Israël, le Seigneur ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Quelle joie immense de savoir que Dieu veut nous sauver et qu'il le réalise en son Fils. Car c'est bien lui, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est cette présence de Dieu au milieu de nous, en nous, qui nous donne la victoire sur notre ennemi, sur nos péchés, et nous comble de sa lumière. Et Isaïe, dans son cantique, peut reprendre cela comme une véritable profession de foi. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Être dans la joie, nous sommes invités à cela, c'était le premier point. Joie de la création, joie de la rédemption, le salut. Mais être dans la joie, est-ce si facile? Comment parler de joie dans un monde tel que celui dans lequel nous vivons? C'est pourquoi saint Paul, dans sa lettre, deuxième lecture de ce dimanche, ne donne pas un simple conseil. Il exhorte à l'impératif « Soyez dans la joie ». Tout d'abord, il nous demande de remettre en place nos valeurs et de vérifier où sont nos priorités. Si réellement le royaume de Dieu est notre premier souci, la venue du Christ notre désir fort, nous porterons au monde le seul témoignage dont il est besoin, celui de la sérénité. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance. Ne soyez inquiets de rien, c'est Paul. Cette sérénité, cette quiétude qui s'amplifie et devient joie profonde. Là encore, Paul exhorte fortement sa communauté et nous réveille. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie. Être chrétien, on le dit à ceux qu'on prépare au baptême, c'est-à-dire être du Christ. On l'a déjà dit souvent, c'est un adjectif. Panaméen du Panama, Guadeloupéen de la Guadeloupe, chrétien du Christ.
c'est appartenir au Christ et donc être rempli de la joie même du Christ, une joie plus haute que toutes les difficultés. Est-ce pour autant être déconnecté des réalités, mes pieds à deux mètres au-dessus du sol, la tête dans les étoiles, avec une sorte de sourire béat, la bouche en cœur? Bien sûr que non. Être chrétien, c'est être au cœur des réalités de la vie quotidienne, partager les souffrances des autres hommes. Nous prions tout à l'heure pour nos frères chrétiens cités, ils ne sont pas protégés des bombes, parce qu'ils sont chrétiens. Nous ne sommes pas épargnés par la maladie, les souffrances, peut-être que dans nos familles, il y a des enfants divorcés, des familles divisées, question du chômage, problèmes sociaux, la peur pour l'avenir, etc. Donc ce n'est pas être épargné. Mais être chrétien, je dis aussi ça aux parents qui demandent à la tête, c'est pas seulement avoir une protection, un parachute ou un bouclier, un domicile. C'est être chrétien, c'est vivre cela avec la force, la présence, l'espérance de Dieu. Vivre sans cesse dans la joie du Seigneur, cela résulte aussi de notre effort constant pour cultiver en nous l'esprit des fils de Dieu et réprimer tout ce qui s'y oppose. Cela se cultive. Vous savez que je crois jardinier, je n'y connais absolument rien, mais je crois que les plantations du printemps, etc., ça se prépare déjà, on prépare déjà le terrain un petit peu. Cela se cultive, et la joie aussi du Seigneur, cela se cultive. On doit s'entraîner. La vraie joie des chrétiens, c'est d'affronter la vie, y compris les souffrances et les misères, en ayant au cœur l'espérance que Dieu agit avec nous. Cela peut se traduire très concrètement. On peut appeler cela, si vous voulez, les petits efforts de l'avant. Alors, je vous donne deux séries de petits exemples. Au lieu de passer du temps à gémir sur ce qui est laid, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne marche pas, voir ce qui est beau dans le monde, voir ce qui est beau dans le monde, il y en a une tâche. Et aussi s'exercer à la patience dans l'attente de la venue de Dieu. Ça s'appelle le regard positif. Ça commence dès qu'on lève le pied de nuit, on sort le pied de nuit le matin. Ça marche aussi avec notre conjoint, ceux qui sont mariés. Regarde, tu vois, avec nos enfants. Je referme la parole. Deuxième possibilité, au lieu de nous croiser les bras devant une tâche présumée impossible, car nous nous disons que ce monde est largement pourri, que l'intérêt de l'argent règle la morale et les consciences, que les puissants vont sentir leur pouvoir, etc. Eh bien, oser se retrousser les manches et faire notre petit possible pour que cela change là où nous sommes. Donc ça, c'était le deuxième grand point. C'était être dans la joie et se décider pour cela. Ça demande un effort, un engagement. Alors, troisième chose, je termine. Bien sûr, nous sommes dans la joie quand nous faisons tout cela, quand nous faisons des efforts comme ceux que propose Jean-Baptiste dans l'Évangile. Partager, pratiquer la justice, la probité, l'équité, respecter les autres, ne pas abuser de son pouvoir, de la force de la violence. Ne pas dominer justement par la force, ou le statut social, ne pas exploiter, ça les encouragements que faisait Jean-Baptiste. Et c'est vrai que cela nous donne de la joie déjà. Mais nous sommes surtout dans la joie quand nous n'en restons pas à la morale du justement que devons-nous faire. Mais quand nous reconnaissons que tous nos efforts de conversion ne suffiront cependant pas
celui qui vient et qui est plus grand que Jean-Baptiste. Celui qui nous baptise dans le feu de son amour et dans l'Esprit Saint, source de la vraie joie du royaume. Car le fruit de l'Esprit Saint, dit saint Paul dans la lettre aux Galates, c'est la joie de vous. Voilà cette joie que Jésus nous promet dans l'évangile de Jean. Votre peine se changera en joie, en joie. Votre cœur se réjouira et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Il y a un chant pour les ados. Voici les jeunes qui sont là, qui animent cette messe, le connaissent. Le chant de groupe Exo. Dieu est la source de ma joie. Et dans le carnet vert. Dieu est la source de ma joie. Alors que nous sommes entrés déjà depuis quelques années dans le troisième millénaire de l'histoire du christianisme, et face aux prédictions de fin du monde, eh bien, n'entrons pas dans cela, mais plutôt unissons notre joie à celle de Marie. Nous avons déjà pris le temps de rendre grâce pour les merveilles que Dieu a accomplies jusqu'à nous. Pour le premier dimanche de l'Avent, nous l'avons fait aussi avec les enfants du catéchisme qui avaient fait un bel arbre, les étoiles, pour les merveilles qu'ils avaient vues. En se penchant sur son humble serment, le Créateur a déjà manifesté son engagement irréversible en faveur de son peuple. Comme Marie, nous sommes certains que Dieu se souvient et qu'il accomplit la nouvelle création. Tout comme celle d'Abraham et de Marie, que notre foi soit une confiance en Dieu et une joyeuse obéissance, quelle que soit l'obscurité de la route. Et qu'ainsi, dans quelques jours, nous puissions tous nous souhaiter un véritable Noël joyeux.